Bien le bonjour les gens, salut les gars, ici 69 Zelos, bienvenue pour une nouvelle vidéo qui à mon avis ne va pas durer très longtemps. J'ai l'impression de sortir d'une séance de muscu mais violente. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on va regarder, je pense assez rapidement, je pense, hein, un jeu rétro que je n'avais pas découvert à l'époque et que j'ai mis énormément de temps à rattraper pour la simple et unique raison que il y avait quasiment rien d'officiel. Aujourd'hui, on regarde donc Earthbound ou Mother 2. Donc, Earthbound, pour ceux, les rares, pour les très rares qui ne savent pas, ce que c'est, c'est un jeu qui est sorti au Japon et aux États-Unis. Savoir qu'à la base, Mother est une licence de RPG qui est sortie exclusivement au Japon. Je crois que le premier, je ne suis pas sûr qu'il soit sorti aux États-Unis. Il ne me semble pas. Mais en tout cas, c'est une série qui a eu 3 opus, si ma mémoire ne me fait pas défaut, à savoir Mother 1, 2 et 3. Le premier étant sorti sur NES, que très peu de gens connaissent, de ce que j'ai compris. Enfin, en tout cas, moi, j'en avais quasiment jamais entendu parler. En revanche, le deuxième possède une renommée qui est quand même assez énorme, voire même incroyable. Juste incroyable, cette renommée. Et le troisième est sorti sur Game Boy Advance. Lui également possède une petite renommée. Apparemment, il est très apprécié de la part des joueurs. Mais du coup, c'est un jeu auquel j'en ai entendu beaucoup de bien. J'ai entendu beaucoup de bien de Earthbound, donc. Notamment sur pas mal de vidéos que vous pouvez voir, des vidéastes qui vouent un culte carrément à ce jeu. En disant que c'est un truc incroyable de la SNES, que c'est un jeu qu'il faut impérativement faire. Donc vraiment, ça, les gens ne tarient pas d'éloges sur cette création. Bon, je pense que... Bon, déjà, la miniature, elle a dû vous montrer... Elle a déjà dû vous montrer le ton de la vidéo. Hein. Je ne pense pas que ça va durer très longtemps. Mais, enfin, voilà, pour ma part, c'est quand même assez compliqué. On va dire ça comme ça. Ouais, vas-y, on va arrêter de tourner autour du pot. J'aime pas ce jeu. mais alors, vraiment pas. Mais pour le coup... Je veux quand même... je me suis forcé, hein. Je me suis vraiment forcé pour arriver jusqu'à la fin. Je ne l'ai pas terminé. Cependant, je suis devant le boss de fin. Je suis devant le boss de fin. Et en fait, le boss de fin a utilisé une attaque super efficace pour me calmer et me dire « Non, mais... écoute, t'es à la fin. Voilà, t'es à la fin. T'as vu une bonne partie du jeu. » voire même presque la totalité. T'as fait ce que t'as pu. Il est temps de passer à autre chose. Hein. Franchement, là, si le boss final commence à faire des actions comme ça, c'est bon. C'est bon, faut rentrer à la maison. Faut rentrer à la maison, ça suffit. Donc, ouais, j'ai vraiment pas apprécié. Je sais que je vais pas me faire des amis sur ce coup-là. Mais que voulez-vous? Après, on n'est pas au niveau d'un... On n'est pas au niveau d'un Death Stranding, vous voyez? Ou d'un The Last of Us Part 2. C'est-à-dire, on n'est pas au niveau d'un jeu qui me rend vraiment... pour lequel je suis là en mode, mais putain, mais comment on peut apprécier ça? Je n'y arrive pas. Je n'y arrive juste pas à comprendre comment est-ce qu'on peut apprécier ça quand on a un minimum de connaissances vidéoludiques. C'est quand même assez compliqué. Cependant, Earthbound, ce n'est pas ça. J'arrive un peu à comprendre qu'est-ce qui fait que ce jeu attire la sympathie. Genre, si jamais tu me dis que c'est un de tes jeux favoris, j'arriverai à le comprendre. J'arriverai à le comprendre, juste que moi, ça n'a pas marché. Voilà, ça arrive, on n'est pas là pour apprécier absolument tout et n'importe quoi. On n'est pas chez JC, ici. Non, mais vraiment, il y a trop de trucs
qui me repugne, mais à un niveau jamais vu, en fait, dans ce jeu. Et ça me dérange particulièrement parce que ce jeu est sorti en 1994-95, il me semble. Je crois 94 au Japon, 95 aux États-Unis. J'avais mis énormément de temps. J'ai mis quelques années avant de découvrir ce jeu, tout simplement parce que en plus Nintendo ne faisait strictement aucun effort pour pouvoir le traduire en français. Donc ce que vous voyez à l'écran, bah, c'est tout simplement une version émulée qui jouit d'une traduction. Donc apparemment la traduction est vraiment vraiment fidèle, je sais pas si je pourrais dire ça, parce que c'est quand même très adapté, et l'ambiance du jeu, un petit peu loufoque, demande à mon avis un certain travail d'adaptation, donc je pense qu'à mon avis, les traducteurs ont fait un travail de fou, ils ont fait véritablement un travail de fou pour adapter, pour traduire, tout simplement, pour traduire toutes les phases, les lignes de dialogue, et les adapter à nous, mais... Je sais pas, en fait, j'arrive pas. Pour tout vous dire, c'est pour ça que cette vidéo va être... Je tiens à vous le dire, la vidéo va être ultra négative. Parce que je n'apprécie pas grand-chose de ce jeu. Je veux dire, le seul point que j'apprécie vraiment... et là, pour le coup, hein, y a pas de langue de bois ou je ne sais quoi. Mais le seul point que j'apprécie véritablement, c'est... comment dire ? C'est la direction artistique. La direction artistique du jeu. Alors, pour le coup, au départ, j'étais assez surpris. J'étais véritablement assez surpris parce que bah, c'est très atypique. C'est très atypique. Et c'est un petit peu ce qui qualifie ce jeu le mieux, en fait. Je trouve que c'est véritablement un jeu, certes, il n'y en a pas deux comme ça, il n'y en a pas plusieurs. Enfin, si, il y en a trois, je suppose. J'ai regardé un petit peu... un petit peu de gameplay de Mother 1, donc sur NES, et ça me fait un petit peu le même effet que Super Mario Bros. 3 et Super Mario World. Vous savez, quand j'avais fait les tests de Mario Bros. 3 et Mario World, je vous avais dit que Mario World, c'est un jeu qui ne fait que sublimer les avancées qu'a apporté Super Mario Bros. 3, parce qu'on retrouve énormément de choses qui sont présentes dans Super Mario Bros. 3, mais juste sublimées par la puissance de la Super NES. Je trouve que Mother 2, donc Earthbound, jouit de la même chose. Parce que la direction artistique, déjà dans Mother 1, ça s'en rapproche quand même beaucoup. Et c'est mine de rien quelque chose à prendre en compte, parce qu'on a des villes qui sont gigantesques, on a une direction artistique très... j'ai envie de dire très crayonné. C'est dans ses dessins, dans son chara-design, que ce soit autant des PNJ que des ennemis que vous allez rencontrer. C'est véritablement très unique, et c'est surprenant. C'est surprenant, et c'est pour tout vous dire, c'est encore une fois, c'est la philosophie de ce jeu. C'est quelque chose qui est très unique, qui est très atypique. Cependant, pour ma part, c'est pas parce que c'est atypique que c'est forcément bon. Et bah, pour moi, ce jeu, c'est comme ça que je le définirais. C'est quelque chose d'atypique, mais de pas bon. De vraiment pas bon, même à certains moments. C'est-à-dire, arriver dès le départ, quand le jeu se lance, on se rend compte justement de la DA. On se rend compte de la DA, on se rend compte de l'ambiance, parce que ça démarre assez correctement. Ça démarre assez correctement dans la ville de Honnête. D'ailleurs, elle s'appelle Honnête, la ville, mais vu le sens du nom des villes, est-ce qu'il faudrait pas l'appeler Honnête, du coup ? Parce que moi, j'ai toujours dit Honnête, parce que je ne connais pas l'univers, clairement, de Ness et de ses amis. Moi, je l'avais découvert, entre guillemets, via Smash Bros. Via la série des Super Smash Bros. Parce que Ness est présent dans le premier. Il est présent dans le tout premier Smash Bros. Sur Nintendo 64. Et c'était un des personnages où j'étais là en mode, mais qui est celui-là ? Je connaissais tous les autres, sauf lui. Ce qui était assez surprenant d'ailleurs. Mais bon, vu que c'est sorti aux États-Unis et au Japon,
Encore une fois, c'est un petit peu compréhensible que les Français, si j'ose dire, que les Européens ne sachent pas de qui ils parlent, enfin, sauf ceux qui étaient véritablement intéressés par ça. Mais ouais, donc du coup, moi, je ne connaissais pas, donc j'ai quand même découvert ça. C'est vrai que c'est atypique, c'est vrai que c'est sympa, c'est pas mal. Et puis, bah, plus le jeu avance, plus il y a des saloperies, mais insupportables, qui jonchent ce jeu, et ce, peu importe le domaine. C'est-à-dire, même au niveau de l'ambiance, même au niveau de la DA, à certains moments, la DA est catastrophique. Je pense notamment aux donjons qui sont nuls à chier, c'est juste des petites cavernes. Alors encore une fois, on peut essayer de défendre cela en disant oui, mais c'est quelque chose d'assez spécial, ça se passe quand même dans un monde moderne. Et c'est vrai, ça se passe dans un monde moderne, il y a des véritables hôtels, des centres commerciaux, des bazars, des fournils, des boulangeries, des centres commerciaux énormes, des postes de police, enfin c'est dans notre monde, entre guillemets, enfin dans le monde moderne de 1995, si j'ose dire. Le truc, c'est que à partir du moment où des ennemis peuvent parler, à partir du moment où des ennemis peuvent parler, ou des... Enfin, c'est même pas... Quand je te dis des ennemis, c'est vraiment... Ça, on affronte des taxis, des panneaux routiers. Des trucs un petit peu plus terre à terre, du genre des limaces, des corbeaux, des chiens, on affronte des zombies, on tape également des personnes nommées vieilles emmerdeurs, ça c'est pas mal, hein, le nom des ennemis est assez loufoque aussi, ça colle bien, hein, c'est cohérent avec l'univers un petit peu barge, mais au-delà de ça, malheureusement, l'univers n'a pas réussi à me faire apprécier ce jeu. Déjà, pour ce qui concerne le système de combat. Le système de combat, c'est quand même un système qui est vieux au moment de sa sortie. Je veux dire, j'aurais beaucoup de mal à comprendre quelqu'un qui a connu les Final Fantasy avant, qui découvre Earthbound ensuite, et qui viendrait me dire que le système de combat... Et bien. Juste bien, tu vois, c'est même pas un truc de fou, un truc intéressant. Non, juste bien, j'arriverai pas à comprendre. Et c'est ça le truc qui me rend dingue, c'est que je peux voir, c'est-à-dire avec l'ambiance, avec l'ambiance loufoque et tout le bordel, avec la plastique du jeu, si j'ose dire, je peux comprendre. Ok, bon, les gens, ils ont adoré le côté décalé et tout ça. Par contre, de là à mettre ce jeu sur un piédestal en disant que c'est un des meilleurs jeux de la Super NES, je pense honnêtement que vous avez pété un câble. Vous avez vraiment pété un câble, parce qu'il y a trop de trucs qui sont datés et qui me semblent, même les Dragon Quest ne sont plus aussi datés à cette époque-là. Parce que je crois qu'on est en 95, je crois que Dragon Quest VI est déjà sorti. Et même Dragon Quest VI, il me semble, montre beaucoup moins d'aberrations. Enfin, c'est même pas des aberrations venant de Dragon Quest, parce qu'encore une fois, c'est dans l'âme de cette licence, le fait d'être ultra classique et de répondre à certains codes. Mais Earthbound, il va encore plus loin que ça. Tout est lent, tout est chiant, tout est fait pour t'emmerder. Le système de combat est certainement un des systèmes de combat les plus chiants auxquels j'ai pu toucher. On est au niveau de Dragon Quest, mais de Dragon Quest premier du nom. Mais genre, enfin, allez, deuxième du nom, on va dire ça. On est au niveau de Dragon Quest deuxième du nom. Parce que pour moi, il n'y a rien qui va dans ce système de combat. C'est pas qu'il est raté, c'est qu'il est juste... Il est juste OSEF, quoi. C'est à 80% du combat monotouche. C'est quelque chose qui, mine de rien, n'existe plus vraiment depuis Final Fantasy IV. Je dis oui, depuis FF4, depuis cette fameuse apparition de la barre ATB. On a déjà trouvé des moyens d'avoir des RPG bien plus poussés. D'ailleurs, c'est sorti en 94 et je crois quelques mois après, il y a Chrono Trigger qui est sorti. Donc c'est... Ouh! C'est compliqué.
C'est vraiment compliqué et je pense que véritablement, il faut pas comparer aux autres parce que si tu compares aux autres, c'est une catastrophe. Mais même sans comparer, tout est super chiant entre les personnages que l'on ne voit pas à l'écran, les fonds d'écran qui sont insupportables. Qui a eu cette idée de faire des espèces de fonds d'écran en mode kaléidoscope? Ultra psychédélique à certains moments, vraiment ça me faisait mal aux yeux. Je ne comprends pas. Alors oui, encore une fois, c'est atypique. Ah, c'est unique, oui. Mais c'est nul à chier. C'est nul à chier, je suis désolé. Là, pour le coup, j'ai regretté les Dragon Quest. J'ai regretté Dragon Quest V, qui est de la même acabit, c'est-à-dire ça te propose un écran de combat avec des personnages principaux que tu ne vois pas à l'écran, mais par contre, tu as au moins des fonds d'écran qui sont dessinés et qui sont jolis. Alors certes, c'est fixe, mais au moins, ça te fait pas une putain de migraine. Ça te donne pas une putain de migraine à la fin, vous voyez? Donc, ça fait partie des choses qui sont insupportables. Ouais, il y a le côté monotouche. La subtilité de ce système de combat vient dans son système de points de vie. Voilà. Ça vient dans son système de points de vie qui est une roulette. Une espèce de roulette, ça vous le verrez tout au long de la vidéo, pendant les combats. C'est une espèce de roulette en fait qui descend progressivement à chaque fois que vous recevez des coups. Ce qui fait que si jamais vous allez assez vite. Si jamais vous allez assez vite, par exemple, c'est quelque chose qui arrive quasiment tout le temps, vous combattez un ennemi, cet ennemi, une fois mort, décide d'exploser pour pouvoir faire des gros dégâts mortels sur votre personnage. Du coup, si jamais l'ennemi disparaît de l'écran, le combat s'arrête. Voilà, le combat s'arrête, le retrait des points de vie n'est pas immédiat comme les Final Fantasy. Ce qui fait que du coup, même si vous prenez une attaque mortelle, vous avez la possibilité de survivre, soit en terminant le combat rapidement, soit en soignant votre personnage avant que le compteur de points de vie atteigne zéro. C'est la subtilité de ce système de combat. Bon. Pour moi, c'est pas. Encore une fois, c'est quelque chose d'atypique, oui. C'est quelque chose d'atypique, mais ça. Comment dire? Ça ne suffit pas à rendre ce système de combat intéressant. C'est-à-dire que pendant tout le début du jeu, c'est très classique. Encore une fois, c'est du Made in Dragon Quest 1. C'est du monotouche, ni plus ni moins. Il n'y a pas de subtilité à avoir. Il n'y a pas zéro stratégie. Par la suite, on va obtenir d'autres personnages, des personnages comme Paula, Jeff et Pou. Oui, il s'appelle Kaka, le gars, c'est trop bien. Enfin bref, vous obtenez trois autres personnages, vous avez même quelquefois des petits persos qui vont vous accompagner, ou des souffres-douleurs que vous pouvez acheter, comme un nounours, qui vont faire un rôle d'aggro envers les attaques ennemies. Donc les ennemis vont plus se focaliser sur ces personnages-là ou ces objets-là que sur vous, ce qui peut clairement vous sauver la vie. Hein. Mais arrivé à un moment, il y a certains ennemis qui sont insupportables, vraiment insupportables, ceux qui explosent tout le temps, ceux qui te... Vers la fin du jeu, mais vers la fin du jeu, j'en pouvais plus, je pétais mon crâne contre le bureau, c'était insupportable. Avec les Starman qui te lancent au calme, tout le temps, non-stop, la magie la plus puissante du jeu. Et c'est en mode YOLO. Mais vraiment, genre en mode YOLO, c'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. Moi, je me suis retrouvé à un point, à la fin, quand tu retournes à Wanette. C'est. Putain, mais. Heureusement que j'avais beaucoup de vitesse. Heureusement que Ness avait beaucoup de vitesse, parce que sinon, j'aurais pas pu. J'aurais pas pu progresser parce que tu ne peux pas progresser en faisant des combats, c'est juste pas possible. Et pourtant, j'étais au level, je crois, au level 80. Au level 80, mes autres compagnons étaient au level 70. Ça aussi, putain, ça c'est tellement vieux. À chaque fois que tu récupères un compagnon, il est
toujours au level en dessous de vous, et vraiment en dessous. C'est-à-dire, Ness, quand j'ai récupéré Paula, il était level 18, je crois, dans ces eaux-là. On récupère Paula, elle est level 1. Typique des JRPG des années 80. Sauf que là, on est aux années 90, là. Là, il y a 10 ans d'écart, copain. Va falloir faire quelque chose, quoi. Mais non, tout est vieux. Tout est vieux. L'inventaire, pour sortir un peu du système de combat, l'inventaire, la gestion de l'inventaire. Mais c'est une catastrophe. Qu'est-ce que c'est que ça? Un objet égale un emplacement dans un inventaire. On est tout le temps plein. C'est insupportable. Mais ça, encore une fois, ça n'existe. Même dans les Dragon Quest, ça n'existait plus. Dans les Dragon Quest, ça n'existait plus. Dans les Final Fantasy, je crois que ça n'a jamais existé. Si ma mémoire ne me fait pas défaut. Mais ça n'a jamais existé, les problèmes d'inventaire. Et ça nous saoule. Et tout est fait pour te faire perdre ton temps. C'est-à-dire, tu veux acheter quelque chose. Tu es plein. D'accord. Donc, il faut vendre des objets. Tu vends des objets. Si jamais tu n'as pas d'objets à vendre, il faut que tu décroches un téléphone qui sert à regarder... à sauvegarder la partie, principalement, et à appeler sa mère, parce que, encore une fois, il y a un petite mécanique bien chiante, hein, mais arrivé un moment, Ness, sa mère va lui manquer, si jamais vous ne l'appelez pas, il va se mettre à rater et à arrêter d'attaquer. Voilà, en mode YOLO, parce que fuck it, voilà, ça c'est le genre de... Typiquement le genre de mécanique qui est là pour t'emmerder, voilà, c'est pas là pour être intéressant, c'est pas comme dans Final Fantasy IX, où, je me souviens plus comment elle s'appelle, mais arrivé un moment, pour des raisons scénaristiques, le mage blanc se met à rater absolument tous ses coups, mais c'est temporaire, vous savez, c'est temporaire, et il y a une raison scénaristique à la clé. Là non, là c'est gratuit. Là, c'est complètement gratuit. C'est des fois, Ness, il pense à sa mère, il a pas envie de combattre. Et moi, je comprenais pas. J'étais là, je dis, il pense à chez lui, il pense à une odeur de steak. Je dis, mais qu'est-ce qui lui prend? Qu'est-ce qui lui prend? Et en fait, il faut appeler votre maman, parce que sinon, Ness sera juste quasiment injouable. Injouable, injouable. Et il y en a tout le temps des phases comme ça dans ce jeu. Dès la deuxième ville, il y a des mecs qui se sont dit, ça sera une super idée. On va mettre plein d'ennemis qui t'empoisonnent, entre guillemets. Vous savez, les fameuses amanites, les petits champignons de ces morts, là. Les champignons, si jamais tu te fais asperger de spores, un champignon va pousser au-dessus de ta tête. Ok, donc c'est une saloperie. Tu sais, ça pourrait baisser tes stats, te faire rater beaucoup plus souvent. Non, pas besoin. La simple arme, la fronde, suffit amplement à te faire absolument tout rater. Putain, c'est encore une fois, t'achètes une arme qui est bien meilleure, tu la prends. Ness rate 40% de ses coups. Pourquoi, nom de Dieu? Et surtout, pourquoi on nous explique pas ça? On nous explique rien pour absolument la moitié des équipements. La moitié des équipements, les stats, c'est juste attaque-défense. Sauf que visiblement, c'est plus profond que ça. C'est beaucoup plus profond que ça. Je me suis retrouvé dans une zone. C'était où déjà? Je crois que c'était à Stonehenge. Mais Stonehenge, j'ai chié du sang. J'en pouvais plus. Tout simplement parce que j'avais une arme qui me faisait quasiment tout rater. Ness était complètement inutile. Complètement inutile pendant toute cette phase. Et Stonehenge, c'est un donjon qui est moche, mais qui en plus est long. Et super long. Mais là c'était vraiment de la torture. Donc j'ai dû me forcer à faire du leveling. J'ai dû me forcer à faire un leveling de fou. Pour pouvoir progresser. Je dis, c'est arrivé à un moment, même, je déglinguais tout le monde. Sauf que certains ennemis sont tellement abusés dans leurs attaques, même si tu les dégommes, eux peuvent te dégommer aussi, ça peut aller très vite. Hein. Il suffit que t'aies pas de chance, c'est tout ce que je déteste dans les anciens systèmes de combat des JRPG. Il suffit que t'aies pas de chance, même une petite merde peut te rendre la vie, mais insupportable. Les ennemis qui n'ont pas de points de mana, mais qui peuvent se healer à 100%, en mode, mais what the fuck, mais qu'est-ce qui vous prend, les gars? Mais pourquoi vous avez décidé de faire un ennemi comme ça? Si jamais c'est pas un ennemi que tu peux tout shot, pourquoi avoir fait un ennemi comme ça? Pour te faire chier, ma bonne dame. Voilà, c'est juste ça, c'est pour t'emmerder, voilà. Des personnages, des ennemis qui t'empoisonnent, et le poison, c'est
insupportable si jamais tu n'as pas, au tout début du jeu en tout cas, si jamais tu n'as pas le soin amélioré, il y a plusieurs niveaux de magie dans ce jeu, et au niveau du soin, à ne pas confondre avec la vie, ça aussi, putain, c'est quand t'as l'habitude, vie, soin, tu confonds les deux. Le nombre de fois que j'ai lancé un soin mécaniquement, tu vois, juste mécaniquement, parce que la magie de soin, c'est pour soigner tes PV, dans quasiment 95% des JRPG. Mais là, non, là, non, soin, c'est pour les altérations d'état, et il y a plusieurs levels d'altération de magie de soin. Donc, si jamais t'as pas le niveau 2, eh ben, tu ne peux pas te soigner de l'empoisonnement. Et le nombre d'allers-retours que vous allez faire, vous allez rentrer à un endroit, les ennemis vont vous péter la gueule, demi-tour. Si jamais vous perdez, encore une mécanique que je ne comprends pas, si jamais vous perdez, il n'y a pas de véritable game over, c'est comme Pokémon, vous revenez à l'endroit auquel vous avez sauvegardé avant, vous perdez la moitié de l'argent que vous avez sur vous, mais surtout, le jeu vous fait repopper avec 0 points de mana, tous vos PV, ce qui n'a aucun sens parce qu'encore une fois, il te soigne les PV mais il te soigne pas la mana, et surtout avec tous vos compagnons morts. C'est quoi le projet si ce n'est te faire perdre du temps comme jamais? C'est insupportable, putain, y a que de ça tout le temps. Et ça m'a empêché de rentrer dans le jeu. Même l'ambiance à la base, elle est bien, elle est sympa, elle est loufoque, encore une fois, mais elle est pas dingue non plus, et j'ai l'impression que je suis trop vieux pour ce jeu, parce que toutes les tentatives d'humour, ça m'a laissé de marbre, je dois vous avouer. Alors je vais pas te dire, t'es nul à chier. Non, c'est juste que ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné sur moi, je suis désolé. Le côté un peu loufoque. Il y a certains points scénaristiques, certains événements scénaristiques qui m'ont fait un petit peu sourire parce que c'est absurde. Parce qu'il y a plein de trucs complètement absurdes. Mais la gestion du scénario par le jeu est quand même assez spéciale. Parce que, évidemment, pour moi, l'histoire, par exemple, l'histoire, je la dé... je... Enfin, non, je la dé... J'allais dire, je la déteste. Mais non, non, la douleur t'égare, Thierry. On va se calmer. Non, c'est pas que je la déteste, mais c'est juste que je l'aime pas parce que bah, elle est pas palpitante. L'histoire n'est pas palpitante. Les personnages. Encore une fois, les personnages, je ne les apprécie pas. Pourquoi? Parce que pour moi, ils ont pas de logique. Ils ont pas de... En termes d'écriture, je ne comprends pas. C'est un jeu qui brise très souvent le quatrième mur, mais qui pourtant te fait jouer. Te fait diriger un personnage qui ne parle pas. Et moi, je n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que ce personnage ne parle pas si jamais le jeu est conscient qu'on est en train de jouer. C'est-à-dire que le jeu sait très bien que c'est nous qui dirigeons le personnage principal, d'accord? Donc pourquoi est-ce que le personnage principal ne parle pas? Donc le message n'est pas à nous directement, le message du jeu n'est pas vers nous directement, le message du jeu est vers les personnages principaux. Et la plupart des personnages principaux parlent, mais très peu, ce qui fait que leur personnalité est proche du néant. Et ça, enfin, moi, ça m'aide pas à apprécier des personnages comme ça. Moi, je peux pas, moi. C'est juste, je peux pas. Je veux plus d'implication, les copains. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Et puis surtout la façon avec laquelle ça rentre, enfin, avec laquelle on rejoint nos compagnons. D'ailleurs, c'est eux qui nous rejoignent, sauf Paula. Le quatrième personnage, à savoir Pou, bah lui c'est encore pire que tout. C'est ouais, téléporte-toi là-bas, c'est bon, tu seras avec eux. Tu fais mais what? D'accord, donc lui il vient comme ok, bon bah il vient comme ça, let's go, hein. Il se fait même pas appeler, je crois, il me semble pas, c'est au pif comme ça. On se balade dans la ville de Sacogne. Puis arrive un moment, on a un événement scénaristique, on voit le quatrième personnage, introduction de ce quatrième personnage, qui est très, encore une fois, très what the fuck, puis il nous rejoint comme ça, gratuit. Bon, eh bah, écoute, j'ai envie de te dire, let's go, mais c'est quasiment tout le temps comme ça, et l'histoire en elle-même, bah, c'est du Dragon Quest, à savoir, bah, tu rentres dans une ville ou dans un lieu, il y a quelque chose qui ne va pas, on poursuit. Sans vraiment le poursuivre, Gigas, qui est donc le grand méchant du jeu, avec Poké qui fait l'intermédiaire et qui a le rôle de fil rouge,
Donc il y a des trucs à faire dans les villes, vous les faites, et au final, ça m'a un petit peu surpris, parce que pour le coup, l'histoire ne suit pas une suite trop linéaire. Parce que vous avez un objectif, certes vous vous baladez dans le monde et tout, vous essayez de régler les problèmes des différentes villes comme dans un bon vieux Dragon Quest des fins des années 80, voire même de 2000 et de 90, parce que c'est tout le temps comme ça, mais... Mais ouais, vous avez ce fil rouge là, qui est le scénario principal du jeu, mais le scénario principal du jeu vous demande également de trouver des sanctuaires. Donc un petit scénario à MacGuffin, donc il faut aller récupérer des objets par-ci par-là. Et en fait, pour tout vous dire, le jeu ne les met même pas en avant. Parce que je suis arrivé, pour ceux qui connaissent le jeu, je suis arrivé au monde perdu. Il y a 8 sanctuaires à trouver. Quand t'arrives au monde perdu, t'es en face du 8e. D'accord? T'es en face du 8e sanctuaire. J'en avais trouvé 3. J'ai trouvé le premier, le deuxième et le quatrième. Et je suis arrivé jusqu'au monde perdu sans avoir trouvé tous ces sanctuaires. Et c'est arrivé un moment, dans le monde perdu, il y a une pierre qui parle. Oui, pourquoi pas? Encore une fois, c'est loufoque, c'est cohérent. Il y a une pierre qui parle, qui te dit, oui, alors il y en a, y a des sanctuaires, il y en a 8, ils sont tous là-bas. Putain, ça m'a fait penser à Metroid Prime, ça, je me suis dit. Je dis, ah bon, d'accord. Mais c'est vrai qu'au début du jeu, ça m'a rappelé. Je dis, mais putain, mais c'est vrai qu'il y avait tous les sanctuaires à... Il y avait tous les sanctuaires à trouver. Au final, j'arrive, je crois que j'arrive vers la fin du jeu. Et pourtant, j'en ai aucun. J'avais trouvé le septième. Et c'était ça qui m'avait surpris. J'avais trouvé le premier, j'avais trouvé le deuxième, j'avais trouvé le quatrième. Et j'ai continué le jeu, quoi. J'ai continué le jeu, j'ai continué le scénario. Tranquillou bidou, comme dirait l'autre. Et j'arrive devant un autre sanctuaire. Et je vois, oui, je suis le septième sanctuaire. Comment ça? Comment ça, le septième? J'ai raté un épisode. Ouais, là, j'ai raté toute une saison, quoi. Mais c'est pas un truc qui est spécifiquement mauvais, parce que pour le coup, le jeu laisse libre cours à l'histoire. C'est-à-dire, il ne te bloque pas parce que tu as raté. Parce que tu as raté une localisation qui est importante pour la fin du jeu, oui. Mais le jeu ne te bloque pas, il te laisse aller jusqu'au bout, et au bout, il te dit, au fait, mon grand, si jamais tu veux terminer le jeu, je te rappelle qu'il y a ça à faire. Donc, pour le coup, j'ai pas trouvé ça trop gênant, si ce n'est le fait que le jeu possède le système de téléport le plus pourrave que j'ai jamais vu. Pourquoi avoir fait un truc comme ça? Alors, encore une fois, c'est atypique, le fait de courir, devoir courir tout droit, ou en cercle, mais fatalement, si t'as pas assez d'espace, ça ne fonctionne pas. Encore une fois, oui, c'est atypique, mais c'est nul à chier, voilà. Et la globalité du jeu, pour moi, c'est ça. C'est atypique, mais c'est nul à chier. Et si vous voulez, j'ai arrêté le jeu devant le boss de fin. Pourquoi? Parce que je me suis retrouvé devant le boss de fin, qui a été assez complexe. J'ai cassé la gueule à Poké. Je me suis retrouvé devant un truc, mais what the fuck, mais tellement psychédélique, le fond d'écran, j'en pouvais plus. J'étais là en mode, vas-y, mais je vais arrêter de regarder ça. Je vais perdre la vision. Je suis sûr qu'il y a dû avoir des crises d'épilepsie, mais à foison devant ce jeu. Mais vraiment, des fois, le jeu pète des câbles. Hein, entre les flashs, les flashs dans tous les sens, les effets de couleurs. Enfin, c'est trop bizarre. Il y a dû avoir des crises de malade mental. Mais enfin, je suis arrivé au boss de fin, le boss de fin m'a dit « Bonjour, ceci est un game over. » Ah bon? C'est en plein combat, avec la magnifique phrase en plus du jeu, « Vous n'arrivez pas à saisir la nature de l'attaque de Gigas. » Ok. Et tout de suite derrière, Ness s'effondre. Ah. Mais genre, il s'effondre, il attend même pas... Il attend même pas la fin de la roulotte en fait. C'est non, tu t'effondres, voilà. Game over, retourne au début de cette putain de zone remplie de Starman, de robots qui se soignent non-stop et qui soignent ses compatriotes avec zéro possibilité de te soigner, d'acheter des objets en plein milieu. Enfin, tu peux te soigner, mais uniquement au début de la zone et la zone est longue et chiante. Et je crois avoir compris pourquoi, c'est-à-dire que tout simplement c'est scripté, c'est-à-dire que si jamais arrivé à cette phase de combat, tu n'as pas Paula de vivante avec toi, tu n'arriveras pas à la fin.
Et moi, ça m'emmerde en fait. J'ai pas envie de tryhard, j'ai pas envie de forcer, c'est pas intéressant. La musique est pourrave. Les musiques d'ailleurs sont pourraves. Je veux dire, y a deux, trois exceptions. Il y a deux, trois exceptions. J'aime bien la musique de Wanette, par exemple. J'aime bien la musique de Wanette. J'aime bien la musique de la maison de NES. Mais tout le reste, les musiques de combat, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah là, par contre, là, je suis catégorique, hein. Là, je suis vraiment catégorique. Les musiques de Earthbound, ça va du correct, maximum correct, à l'insupportable. Les musiques de combat sont nulles à chier. Nulles à chier, et puis là, je dis les termes, hein. Vraiment, c'est nul. Voilà, c'est nul, c'est de la mélodie en mode gloobie-boulga, crados. C'est... Vraiment, c'est... Qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends pas. Vous adorez les musiques de ce jeu? Vous faites comment? Vous faites comment? Enfin, je ne sais pas. C'est quoi ça? Enfin bref, je vais me... On va bientôt se stopper là, parce que là, mine de rien, encore une fois, ça fait une demi-heure que je crache à la gueule de ce jeu. Si jamais vous l'avez adoré, bravo. Bravo, mais pour moi, il y a tellement de trucs qui vont pas. Le système de l'inventaire qui ne va pas du tout. Le système de l'argent qui, pour moi, pareil, est chiant comme c'est pas permis à chaque fois, tout le temps, devoir aller retirer de l'argent. Parce que l'argent que tu gagnes pendant les combats est déposé par ton père sur ton compte en banque. Donc pour le coup, tu n'as jamais l'argent quand il faut. Le nombre d'allers-retours qu'il faut faire. Le simple fait de devoir retourner tout le temps à l'hôpital. Ne pas avoir de heal de groupe avant la fin du jeu. Ne pas avoir de sort de résurrection tout court, je crois qu'il n'y en a aucun. Je sais pas, je suis arrivé à la fin du jeu, j'en ai aucun. Il n'y a pas de sort de résurrection. Les objets de résurrection coûtent un pognon monstre, mais de toute façon ne sont pas assez intéressants à acheter en masse, puisque un objet égale une place. Et puis surtout, tu dois acheter un objet à la suite. Bonjour, voulez-vous acheter? Oui, qu'est-ce que vous voulez? Je veux cet objet. Très bien, ça coûte tant. Merci. Qui va le prendre? Lui va le prendre. Très bien. Vous voulez équiper cet objet? Oui, très bien. Il a équipé cet objet. Ensuite, cet objet-là que vous n'équipez plus, est-ce que vous voulez le vendre? Oui, je veux le vendre. Très bien. Voulez-vous autre chose? Oui, voulez-vous acheter ça? Oui, j'achète ça. Qui va s'en occuper? Alors, c'est lui. Très bien. Merci. Voulez-vous autre chose? Oui. Oh la spirale infernale, putain, le menuing de ces morts, t'as envie de péter la gueule à des chats. C'est... T'as envie de les tuer. Je te jure, t'as envie de les tuer, t'as envie de les étrangler. C'est insupportable. Insupportable. Le combat, le système de combat qui est super lent, avec des musiques et des fonds d'écran qui sont ignobles comme c'est pas permis, des combats de boss qui sont très souvent anecdotiques, vraiment anecdotiques. Quasiment aucune stratégie n'est faisable, si ce n'est de gérer, par exemple, les ennemis qui explosent. Il vaut mieux ne pas les faire exploser dès le début du combat avec un autre ennemi en face, parce que sinon, c'est quasiment la mort assurée, voire même c'est la mort assurée. Des pics de difficulté juste ahurissants, tu sais pas d'où ça vient. Tu sais vraiment pas d'où ça vient, je pense notamment à Stone Age par exemple, ou alors au centre commercial. Le centre commercial de Fortside, où t'es là en mode mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je me fais péter la rondelle de ouf là d'un coup, je comprends pas pourquoi. Tous les ennemis, je leur casse la gueule comme c'est pas permis. Et là maintenant, je tombe sur des ennemis qui me violentent en faisant des attaques de groupe de ouf à grands coups de 80, 100 points de dégâts alors que je suis à 200, 200 PV. Donc pour le coup là, c'est limite. Mes collègues se font one shot parce qu'ils sont moins élevés que Ness, et Ness se fait two shot. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Une fois que vous perdez, vos amis ne sont pas ressuscités, il faut quand même récupérer de l'argent pour aller à l'hôpital et les faire ressusciter un par un en payant. Puis ensuite, parce que Ness, mine de rien, il a 0 PV, il faut garder de l'argent pour pouvoir retourner à l'hôtel et récupérer un peu d'argent. Oh là là, putain. Je sais pas comment j'ai fait pour tenir. Vraiment. C'est vraiment parce que c'est Earthbound, parce que ce jeu a une réputation de fou. Alors, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui surinterprétaient l'histoire en disant oui, mais en fait, il y a ça comme symbole, comme...
je sais pas, je saurais pas comment dire, mais en gros, les mecs, ça surinterprète de ouf un scénario qui, pour ma part, part beaucoup trop dans le what the fuck. Surtout la scène de cauchemar, par exemple, ça part beaucoup trop dans le what the fuck, mais pff, je sais pas, moi pour moi, ça m'est passé au-dessus. Voilà, ça m'est passé au-dessus, et je pense qu'on va s'arrêter là, parce que je sais, je suis très négatif, mais encore une fois, c'est un jeu que je n'ai pas du tout aimé. Donc désolé, enfin désolé, non, je vous emmerde, je fais ce que je veux. Mais ouais, je ne comprends pas. Qu'on puisse apprécier ce jeu, je peux le comprendre encore. Je peux le comprendre parce qu'il a son charme, il a son charme, mais c'est un charme qui n'a pas marché sur moi. Voilà, vous m'envoyez navré, ça n'a pas fonctionné sur moi. Les musiques, la DA est sympa, mais pour ma part, des fois, beaucoup trop loufoque. Et puis voilà, je saurais pas quoi vous dire d'autre. Je saurais pas quoi vous dire d'autre, vraiment. Si jamais vous voulez l'essayer, allez-y, parce que ça reste un jeu très atypique de la SNES, oui. Ça, j'arrive à le reconnaître. C'est un jeu très atypique de la Super Nintendo. Par contre, un des meilleurs JRPG de la SNES en plus, donc là, on parle de la SNES, là où t'as Final Fantasy, Dragon Quest, Chrono Trigger, etc., etc. Là, va falloir doser, les mecs. Il est très, très, très loin derrière. Très, très loin derrière. Il y a même des JRPG NES qui sont plus intéressants que ça. Je pense. Qui sont plus intéressants, qui sont plus amusants, qui sont plus évolués. C'est en tout cas ma vision des choses. Donc, Earthbound, je l'ai enfin découvert. Et ben, je le referai certainement plus jamais. Sur ce, je vous laisse là-dessus. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était 69 Zelos. Et bonne partie tout le monde. Ciao, bye bye. Soyez pas trop méchants. Hein, j'ai pas aimé ce jeu. Ça arrive.